trace a criblé le QG de balle. Mais quel cinglé! On m'écoute, les clébards reconvertis. C'est l'heure de la galère. Chopez-la! Oui! Oui! Chopez-la! Chopez-la! Alors, je suis... Alors, je suis...
de neuromancie. Active la rémanescence du capitaine Trace. Laisse parler sa mémoire brisée. Ne se sent plus seul. Mon deuxième peut être absolu. Mon troisième a tous ses sens. Mon quatrième tricote comme une araignée. Et mon tout peut franchir la porte. Se sent plus seul. Mon deuxième peut être absolu. Mon troisième a tous ses sens. Mon quatrième tricote comme une araignée. Et mon tout peut franchir la porte. Premier ne se sent plus seul. Mon deuxième peut être absolu. Mon troisième a tous ses sens. Mon quatrième tricote comme une araignée. Et mon tout peut franchir la porte. Plus seul. Mon deuxième peut être absolu. Mon troisième a tous ses sens. Mon quatrième tricote comme une araignée. Et mon tout peut franchir la porte.
Et voilà, reconversion. Le grand projet de Cilla Cartier-Wells. Des Leapers transformés en main d'œuvre jetable. Trouve cette garce et remets de l'ordre dans sa cervelle pourrie. Cessez de paniquer et au travail. Vos familles sont protégées par la Force Sabre. Et nous avons un calendrier à respecter. La peur et le chaos jouent en notre faveur. Ces inondations vont faciliter le placement du projet Reconversion. Les premières projections nous prédisent une marge à 2 chiffres pour le prochain trimestre. Alors laissons aux événements le soin de nous remplir les poches. Ok. Madame Cartier-Wells est une garce hors catégorie. Cessez de paniquer et au travail. Vos familles sont protégées par la Force Sabre. Et nous avons un calendrier à respecter. La peur et le chaos jouent en notre faveur. Ces inondations vont faciliter le placement du projet Reconversion. Les premières projections nous prédisent une marge à 2 chiffres pour le prochain trimestre. Alors laissons aux événements le soin de nous remplir les poches. Edge, j'ai trouvé le bureau de cette ordure. Tu sais, cette femme était une bonne personne avant son terrible accident. Je pourrais lui faire oublier? Ça ne restaurerait pas sa beauté. Non, rends-la responsable du drame qui l'a mutilée. Apaise sa rancœur. Elle doit cesser d'en vouloir au monde entier pour ses souffrances. C'est parti. Philippe, vous me dresserez une liste des cadres qui ont quitté leur poste malgré mes instructions. C'est noté. Autre chose ? C'est tout pour l'instant. Espèce de pleutre. Incapable de supporter la moindre souffrance. Vous allez vous jeter sur nos forfaits d'effacement traumatique plus vite que des réfugiés sur un verre d'eau. Vos faiblesses feront ma fortune. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'oublie rien. Cilla, ma chérie, tout va bien? Tu devrais être rentrée depuis des heures. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été déviée par New Belleville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax? Jax! Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi! S'il te plaît! J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie mémorielle? On a fini les courses avec maman. Coucou, ma princesse. Il faut être bien sage avec ta mère, promis? Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage de souvenirs me semble un argument plus vendeur. Tu imagines les possibilités? Gestion de la mémoire humaine. On en reparle demain, d'accord? Dans l'immédiat, j'avoue que je ne serais pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. Ça suffit, Liline. Tu te calmes maintenant. Tu auras ton cadeau à la maison. Nilin, reste assise tranquillement. Maman, regarde!
Nélin, retourne à ta place. Nélin, à ta place, tout de suite. Sécurité, enfant, verrouillée. Maman essaie juste de te protéger. Ne refais jamais ça. D'accord ? Ça roule mal. Tu as trouvé Jax ? Jax ! Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie mémorielle. On a fini les courses avec maman. Coucou, ma princesse. Il faut être bien sage avec ta mère, promis ? Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage de souvenirs me semble un argument plus vendeur. Tu imagines les possibilités. Gestion de la mémoire humaine. On en reparle demain, d'accord? Dans l'immédiat, j'avoue que je ne serais pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. Ça suffit, Nélin. Tu te calmes maintenant. Tu auras ton cadeau à la maison. Nélin, reste assise tranquillement. Maman, regarde. Nélin, retourne à ta place. Nélin, à ta place, tout de suite. Sécurité, enfant, verrouillée. Maman essaie juste de te protéger. Ne refais jamais ça. D'accord ? Si.
facile. Scylla, ma chérie. Scylla, ma chérie, tout va bien? Les 30 et le... Comment s'est réfléchi? Épargne-nous. Ils ont ville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax? Jax! Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. C'est vraiment drôle. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie de Marielle? Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage de souvenirs me semble un argument plus vendeur. J'aimerais savoir faire ça. Tu imagines les possibilités. Tu as faim? On en reparle demain, d'accord? Non. Dans l'immédiat, j'avoue que je ne serais pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. Scylla, ma chérie. Scylla, ma chérie. Tout va bien? Tu devrais vu des. Et ça roule mal. Nouvelle ville. Et ça. Un argument plus vendeur. Tiens, on reparle. Tiens, je ne propose pas que c'est sincère. Moi aussi. C'est quoi ça? Merde! Le mémo. Gros mot, gros mot. Ton père va me tuer. Maman? Maman? Nilene, ça va aller. Ce n'est rien. C'est de ma faute, ma chérie. Oh, ma jambe. Maman? Maman?
Ce n'était pas de ta faute. J'aurais dû être plus prudente le jour de ton anniversaire. Oh, ma fille, comme je regrette. Moi aussi, je suis désolée. Ironique, non ? La présidente de Memorize, qui refuse d'oublier le pire jour de sa vie. Je vais tout oublier. Tout oublier. Madame, l'agent héroriste a été repéré à votre étage. Une phalange vient sécuriser la zone. Merci, Philippe. Je les attends. La vie nous a séparés. Mais tu restes ma fille. Je ne te ferai jamais rien de mal. Maman, je... Vas-y, Phil ! Ça mène sur les toits ! Phil ! On ne s'oublie pas. Philippe, dès demain matin, nous réévaluerons la stratégie du projet reconversion. Pour l'instant, rentrez tous chez vous. Retrouvez vos familles. Vous aussi, Philippe. Bien, madame. Merci, madame. Je suis la fille de Cilla Cartier-Wells. Je suis l'héritière oubliée de la dynastie Memorize. Quel genre de blague impossible est-ce ? J'ai commencé à reprendre pied, à trouver un sens à mes actes, et me voici de nouveau à la dérive sur une mer d'incertitude. Dans quel jeu tordu Edge m'a-t-il entraîné ? Comment pourrais-je encore lui faire confiance ? Pourtant, il veut encore me démontrer la justesse de son combat. Alors, une dernière fois, j'accepte de suivre ses instructions. Profondément enfoui sous la Bastille, dit-il, se cachent les secrets honteux de Memorize. La justification du remix d'une mère par sa fille. Une mère que j'avais oubliée. Je dévore mon passé, au nom d'un avenir meilleur. Mais je suis fatiguée de courir. Et je veux des réponses.